monde, aujourd'hui on va regarder un magazine ensemble. J'ai choisi le magazine Les Canadiens, où est-ce que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley en 93, d'où en témoigne cette magnifique photo de Patrick Roy soulevant la coupe. Il y a beaucoup plus de publicité que dans le Châtelaine. Ici, on a une belle publicité de Coca-Cola classique. Na 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 na, na 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 na, hey, 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 bravo! Au lieu d'être marqué goodbye, en tout cas. Quelque chose de marquant dans le début des années 90, c'était la pizza de McDonald's. Ouais, ben c'est encore moi. Là, il paraît que j'ai oublié de dire que la toute nouvelle pizza McDonald's est offerte en deux formats, familiale et individuelle. Les deux sont aussi bonnes, sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre. Mais là, il voulait que je m'habille en petite pizza. J'ai dit, hey, allez lire mon contrat, ça parle pas de petite pizza là-dedans. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Et que c'est écrit petit dans ces contrats-là. Moi, j'aime McDonald's. À vous de jouer, merci. D'ailleurs, je vous en montre deux. Ici, c'est une publicité de Maxi avec une rondelle des Canadiens. Et ici, si vous regardez bien, c'est une publicité d'Ultramar où est-ce qu'ils ont inventé un robinet pour avoir de l'eau tiède. C'est très pratique. Un qui n'a pas peur d'aller dans les coins, je vous parle pas de Guy Carbonneau, je vous parle du Chevrolet Blazer. Moi, personnellement, je trouve que le meilleur vin au monde, c'est le vin Arpent des Neiges. Ça, c'est une phrase que jamais personne va vous dire. J'ai une belle publicité ici du vin Arpent des Neiges avec le slogan « L'art de bien faire les choses ». C'est important de bien faire les choses dans la vie. Journée, vous étiez sur la route, le message important que vous attendiez s'est perdu dans le trafic. Vous voyez ici le message important, là? C'est la mouette qui l'a dans la bouche. Ici, j'ai des belles cartes sportives, notamment de Pierre Trudel, de Mario Tremblay. Il y a aussi Jean Perron et Réaume Brisebois. Ici, à côté, on peut voir une publicité de Thrifty avec Wayne Gretzky. C'était d'ailleurs l'année où le Canadien avait affronté les Kings. Chez Location d'Auto Thrifty, on sait qu'en voyage d'affaires, on peut compter des points et s'en faire compter. Il y a des hauts comme des bas. Alors, pour rendre ces voyages un peu moins mouvementés, nous vous offrons chez Thrifty un vaste choix de véhicules à des prix très raisonnables. Parce qu'après tout, peu importe combien d'argent vous gagnez, tout est prêt, Monsieur Thrifty. Il s'agit de votre argent. Une idée brillante pour la collation. Ça, c'est une belle publicité, ça. Ils ont transformé une orange en ampoule. Les 4 étoiles du match. D'habitude, il y en a 3, mais là, c'est 4 étoiles. La boisson gazeuse Schweppes. Moi, j'apprends à maîtriser mon énergie pour devenir un véritable athlète. C'est une phrase d'Alexandre Bro, un joueur de hockey qu'on n'a jamais vu dans la Ligue nationale, finalement. C'est une publicité d'Hydro-Québec. Ils mangent leur peau. Ici, je ne vous parle pas des commentateurs et analystes de TVA Sport, mais bien du Jell-O. Ici, il y a un coupon pour commander un emporte-pièces pour faire des lettres, et ça marque que c'est disponible tant qu'il y en aura. Peut-être qu'il en reste encore. Aujourd'hui, au menu du plaisir avec les rigolos Jell-O. Rigolo, des lettres précises, des mots. Une recette et c'est pas long. Allons-en, rigolons, que c'est bon, c'est rigolo de manger des mots. Rigolo, des lettres et aussi des mots. Mais compliments au chef. Pour travailler avec assurance, ici on a une publicité d'UAP Napa où les garagistes sont en fait habillés comme des chirurgiens qui sont en train de faire une opération sur une voiture. On s'implante au Québec. Ça, c'est l'année où il a commencé à avoir des Renault dépôts. Ça, c'est bizarre un petit peu dans un magazine de hockey. Des annonces de nettoyants à évier. On a une belle pub de Bim avec un robinet qui fait un sourire.
Black & Decker, Skill, Makita, c'est bien simple. Il y a juste un entrepôt pour avoir autant de marques. Puis ici, au tout nouveau Renault Dépôt de Ville d'Anjou, comme à Brassard, vous allez trouver les prix les plus bas jour après jour. Puis si jamais vous trouvez un même outil à meilleur prix ailleurs parce qu'ils font une petite vente, là, ben venez vous en vite chez Renault Dépôt, puis on va battre ce prix-là de 10% sur le champ. Comme ça, là, ça va être encore moins cher. Renault Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Ici, on a une publicité pour la télé à la carte pour du cinéma sur commande. C'est une publicité de Vidéoway, de Vidéotron. Et ici, on a une publicité du centre Macintosh Microserve avec Brian Bellows, qui était l'un des joueurs du Canadien qui a gagné la Coupe Stanley en 93. Ici, on a deux magnifiques publicités. On a iGrade avec le slogan « 2 s'il vous plaît ». On a les petits bonhommes de iGrade. J'en avais des figurines quand j'étais petit. Et ici, on a une pub très simple de la Lavate 50. La 50, c'est la 50. C'est la bonne vieille époque où Patrice Lécuyer faisait des pubs de Lavate 50. Monsieur Labatte est très occupé ces temps-ci. Il change toutes les étiquettes de 50. Il n'aura jamais le temps de trouver un bon slogan. Je vais trouver un slogan, moi. La 50. C'est la 50. C'est assez, ça. Ici, il y a une publicité des épiceries L'Aube. Ça, si je me rappelle bien, c'était surtout ontarien. Et finalement, on termine avec la publicité derrière la revue, qui est une publicité de Molson Export. Quand ça joue vrai. Spécial revue de hockey, on va regarder un top 3 des publicités qui sont passées dans les séries éliminatoires de 93. Salut tout le monde! C'est une bière qui ne ressemble à aucune autre bière. Doublement condensée, triplement refroidie, quatre fois frigorifiée, pour un goût si fin qu'il ne se laisse pas reconnaître. Bière qui descend tellement bien. Rafraîchissante comme pas une. Naturellement claire. Sans colorant artificiel. Sans saveur artificielle. Et sans caféine. Quelle est cette boisson? 7-Up. La boisson claire originale. Quoi de plus rafraîchissant? Une bière à savourer en paix.